monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes articles que j'ai achetés chez Maison du Monde, parce qu'il y a un magasin Maison du Monde pas très loin de chez moi. Enfin, donc je suis super contente de vous dire qu'il y a un magasin à Marin Centre pour les personnes qui savent pas, parce que moi je savais pas jusqu'à présent justement. Donc oui, il y en a un et il a vraiment beaucoup de cachets, enfin de toute façon toutes les maisons du monde sont très beaux. Donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté entre autres là-bas. C'était pendant le Black Friday, mais j'ai payé, il n'y avait pas de rabais là à ce moment-là. Mais je me suis acheté justement ça parce que je suis en train de refaire le bureau. Alors je me suis acheté ça, c'est en métal pour mettre les crayons. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Et puis je me suis aussi acheté. Là. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté le panier. Comme ça. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc ça j'ai payé 30,95 francs. Et l'autre j'ai payé 18,95 francs. Donc ça c'est un panier pour mettre entre autres dans le salon avec une décoration dedans. Je pensais mettre peut-être une plante, on verra. Donc ça, ensuite je me suis aussi acheté un panneau en métal. Donc vous avez les jours de la semaine, comme ça. Donc je sais pas si je vais mettre dans la chambre de mes enfants ou dans le bureau aussi. Ensuite j'ai acheté un porte-manteau parce que j'aimerais bien mettre justement près de la porte d'entrée parce que mes enfants ils mettent leur veste n'importe comment et ça m'insupporte. Donc ça j'ai payé 24 francs, non, 30 francs 95. Mais je trouve tellement joli. Voilà. J'ai acheté pour décorer, pour faire mon arrière-plan de Noël. Bon, j'ai déjà comment dire, cette petite déco là, cette couronne. Mais je voulais peut-être essayer de mettre autre chose encore à la place. Donc j'ai acheté ça. Donc je peux mettre une petite lumière dedans. Voilà. Ça j'ai payé 12 francs. Ensuite, j'ai acheté ça pour faire 2-3 photos. Aussi pour mon Instagram. À voir. Voilà. Donc vous pouvez poser des verres dessus si jamais. Et puis je me suis acheté des petites pinces pour là vous voyez pas très bien, mais c'est des petites pinces pour des feuilles. Donc ça j'ai payé 7 francs 95. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. Mais je vous conseille vraiment d'y aller parce que si pour les personnes qui connaissent pas du tout cette boutique, c'est vraiment une belle boutique de décoration et vous avez tous les prix. Vraiment, c'est accessible pour tout le monde. Après, c'est vrai que les meubles sont assez chers, mais c'est de la bonne qualité. C'est vraiment de la bonne qualité. Et voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous dire. Et entre deux, enfin, j'avais aussi acheté ça chez Côté Cœur, Côté Jardin. Donc c'est aussi une de mes boutiques préférées qui est juste à côté de chez moi. Donc c'est une planche. Mais pour faire des photos justement Instagram, je trouvais très jolie cette petite planche. Donc c'est une planche de cuisine normalement. Mais voilà, j'emploie ça comme planche pour faire des photos. Donc pour certaines personnes ça peut être un peu aberrant, mais c'est bien. Enfin, j'avais envie d'acheter une planche pour faire des photos tout simplement. Et puis là aussi, donc je me suis acheté cette planche. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouvais super chou. Donc c'est écrit ça.
Donc ça, c'est aussi des planches de table, des sets de table carrément. Et puis, moi, je vais employer ça pour faire des photos Instagram aussi. Donc ça, j'ai plus les prix, mais vous pouvez aller voir sur le site Côté Cœur, Côté Jardin. C'est une très très belle boutique aussi. Donc elle se trouve à Grandcourt, si jamais, pour les gens qui sont de la région et qui connaissent pas du tout ce magasin. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker la vidéo, cliquer sur la petite cloche qui est juste en bas. Je crois que c'est de ce côté-là. Vous abonner à ma chaîne aussi. Moi, je vous mettrai des liens pour voir d'autres vidéos si jamais. Et voilà, moi, je vous souhaite une très belle journée et gros bisous.